Bonjour Guillaume, alors là au SWAB, là tu vas donner un cours Je donne là aujourd'hui, tous les jours je donne un bootcamp. En fait, en gros, on fait un travail de préparation, de formation pour les danseurs, pour justement avoir une espèce de suivi et ce soir faire un petit show tous ensemble. Ah oui, donc ce soir là c'est un peu la répète générale de la choré, de la choré que vous allez présenter ce soir en finale. Exactement, c'est ça. On va vraiment faire que les chorés qu'on a faites déjà, ok. Par contre, on va faire des placements, on va faire les entrées et on va voir comment ça se passe avec tout ce qu'on a appris déjà. Ouais. Ramène, remonte, gauche, droite, relâche. Faut bien que moi je sais pas jouer le danger. Et si toi t'es pas prêt à faire, moi je vais pas me laisser, mais je me sens pas balader. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenu ce grand professionnel de la danse? Alors ben moi tout simplement je viens de Paris à la base et je fais plutôt hip-hop, dancehall, c'est tout ce qui est danse urbaine, ça veut dire danse un peu plus solo par rapport au SWAB où c'est plus des danses de couple. Au SWAB, je sais que tu y es depuis longtemps, depuis combien d'années tu viens? Quasiment depuis le début, je suis à Chile depuis des années et puis on était même ensemble sur d'autres événements encore avant, c'est une grande histoire d'amour, de famille. Vu que dans cette version-là, il n'y a pas les deux bases de la fin, en fait ça va être deux ralentis, enfin ça va être un ralenti en fait. Je suis hyper reconnaissante et fière de travailler avec des profs de grande renommée. Donc ouais, c'est un plaisir d'être là. La fin de semaine, ça tire un peu, mais c'est cool. Et de mon côté, je suis venu essentiellement pour le West Coast Swing pour essayer, parce que je danse la salsa bachata à la base. Et c'est une belle découverte avec des profs vraiment de qualité. Et ça fait plaisir sur une semaine d'être sur l'île de Ré avec un temps plutôt cool. À peu près chaque danse a fait ce qu'on appelle un bootcamp. Et donc le principe d'un bootcamp, c'est que tous les participants apprennent une chorégraphie pendant une semaine et à la fin de la semaine, il y a une représentation sur scène.